Acoustic Attack, en fait, c'est une association qui, depuis plusieurs années, a un but assez simple, c'est de faire des vidéos de captation, donc de sessions acoustiques avec des groupes locaux, dans des endroits un peu atypiques de Brest. Donc ça nous a amené à tourner dans le téléphérique de Brest, au Sanopolis, dans pas mal de lieux atypiques depuis quelques années, et avec beaucoup de groupes différents. Never had bad intentions, and humans make mistakes, mate. No. L'idée de Grand Bain, voilà, c'est de proposer, dans un cadre encore plus atypique que ce qu'on peut trouver dans le coin, une soirée concert, voilà, de profiter de la vidange, donc de la piscine Foch, qui se déroule obligatoirement tous les ans pendant 15 jours, et de se greffer à ce planning-là pour y organiser, donc, au fond des bassins vides, une soirée concert. Donc ça veut dire une scène au fond du grand bassin, un bar dans le petit bassin, une super déco avec une compagnie scénographique qui s'appelle Les Oeils, avec laquelle travaille notamment Astropolis, Au bout du monde. Donc ils vont nous refaire un lieu magnifique, et une programmation assez électropop pour que ce soit festif, dansant, frais. Ça colle encore une fois un peu à cette ambiance aquatique. On pourra accueillir jusqu'à 750 personnes ce vendredi 26 octobre. Et voilà, on les accueillera à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Il y aura un petit after work avec de la musique et pas mal de choses qui seront proposées au public. Et à partir de 20h30, et ben ça se passera sur scène. Une programmation très house, disco tropical, voilà, avec notamment Bleu Toucan, un groupe de Paris. Blow, qui est vraiment là sur la, en ce moment, sont dans les mieux placés sur les révélations pop électroniques en France. Et Jean Tonic en DJ set, qui est un DJ qui parcourt le monde, qui est une vraie référence pour pas mal également de DJ brestois. Donc voilà, faire ces co-plateaux là, ça va vraiment être un bonheur et une première, ça va être chouette.